Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de débunkage sur Diablo, et pas n'importe laquelle. Alors, nous allons aborder les cultes démoniaques. Alors, vous allez me dire, quel est le problème? En quoi est-ce un débunkage? Mal'janir, que se passe-t-il? Eh bien, en ayant terminé l'histoire principale de Diablo 4, alors, il n'y aura pas vraiment de spoilers. Enfin, je pars du principe que c'est pas des spoilers. On va revenir sur un historique des cultes démoniaques, puis on va aborder ceux de Diablo 4, bien entendu. Alors, je sais, j'anticipe direct la question. Et qu'as-tu pensé, du coup, de l'histoire principale de Diablo 4? Je n'ai pas fini les histoires secondaires, déjà. Donc, calmez-vous sur les spoilers. Et j'ai prévu de la faire, mais là, je suis un petit peu débordé. Donc, celle-là, au moins, elle est facile à sortir. On va pouvoir aborder, en premier lieu, l'historique des cultes démoniaques, en revenant un petit peu sur tout ça. Surtout, garder en tête les symboles. Et on reparlera, plus précisément, du culte démoniaque de Diablo 4. Donc, pour commencer, les cultistes, dans l'univers de Diablo, un univers où il y a des démons. Alors, les cultes angéliques, pour le coup, il doit y en avoir aussi. Il y en a plusieurs même, mais c'est vrai que là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les cultes qui invoquent et qui prient des démons en tant que divinité, ou même juste en s'arrangeant, hein, en pactisant avec eux pour plus de pouvoir. Généralement, ce sont des cultes qui mettent en avant l'ego personnel et du coup le développement personnel. Mon Dieu, ce sont des youtubeurs, non pas du tout. Et donc, si on doit revivre l'historique de ces cultes démoniaques, eh bien nous avons la première invocation démoniaque. On n'a pas vraiment la date concrète, mais c'est ce que j'aime bien appeler le premier contact, hein, avec les démons, à savoir eh bien, des invocations qui ont eu lieu avant la guerre du péché et qui vont amener les démons à avoir connaissance de la présence de sanctuaires qui jusqu'à présent étaient cachés. Notamment avec l'intervention d'Inarius, hein, sanctuaire était caché, et les humains étaient cachés aux yeux des cieux et des enfers, et en l'occurrence, eh bien, c'est ce qui va amener fatalement à déboucher, à découler sur la guerre du péché. Donc on va pas revenir en long, en large sur la guerre du péché, il y a une vidéo sur le sujet bien entendu, mais je suis obligé d'en parler un petit peu, notamment, je vous ai mis la double page du livre de Descartes ou de Tyrell, je ne sais plus lequel c'est, justement, donc le temple de la Triune. C'est le grand culte démoniaque, hein, qui est apparu à la guerre du péché. On va quand même remettre un peu de contexte, même si je vous invite à voir la vidéo en question. Donc, les trois Baal, Diablo et Mephisto qui vont tenter d'infuser de leur corruption les humains présents sur Sanctuaire en envoyant Lucion, le fils de Mephisto, frère de Lilith, qui va propager la bonne parole sur Sanctuaire. La secte qui va réussir au final, car ça devient le temple de la Triune, ou une véritable église démoniaque. Hein, donc c'est au final, dans l'histoire de Diablo, la secte qui a le mieux réussi, hein, puisqu'elle est devenue une église, à proprement parler. Et donc, eh bien, la Triune, c'est évidemment un culte démoniaque qui a pour but la victoire finale des démons et l'invasion démoniaque sur Sanctuaire, et surtout la victoire au bout des trois, hein, des trois seigneurs des enfers primordiaux, les seigneurs des enfers Baal, Diablo, Mephisto, comme je le disais. D'ailleurs, le nom Triune, ou Triune, ou Triune, vous prononcez comme vous voulez, ça vient de Three in One. Alors, il y a aussi du latin, il me semble, dans le lot, mais dans mes recherches, j'ai vu que le Triune, c'est un mot qui est pas mal utilisé par les Anglais pour dire Three in One, donc trois en un. C'est genre de la vaisselle, en fait, hein, de produits pour la vaisselle. Pas du tout. Et après son échec, du coup, et son démantèlement lors de la guerre du péché, rappelons d'ailleurs que c'est Lilith qui a énormément contribué à la défaite de la Triune, et eh bien il restera des membres éparpillés partout dans le monde, avec voilà, en gros des nids de cultistes vraiment éparses, éparpillés partout sur Sanctuaire, aux quatre coins de Sanctuaire, et qui ont une influence très très mineure, très très loin à l'ombre de l'influence que pouvait exercer la Triune pendant la guerre du péché. Au final, on va revoir un essor des cultistes démoniaques sous une certaine forme pendant les guerres des mages, vidéo sur Liming et les clans magiques, puisque la guerre des clans magiques va relancer l'invocation de démons d'une certaine manière, puisque c'est des cultistes, mais pas vraiment, hein, puisque globalement c'est le clan Vizgirei, le clan mage des Vizgirei, qui va se scinder en deux, et une partie du clan Vizgirei va complètement péter un boulin et je vais les appeler les hérétiques Vizgirei pour les différencier des autres Vizgirei, qui vont aller très très loin dans la déprévation démoniaque, hein, menée par Bartouk, le sanguinaire, et amener du coup la ruine sur le Khégistan et aboutir
à destruction de la capitale du Kyrgyzstan de l'époque, à savoir Vizhoun. Vizhoun, gardez ce nom en tête parce que ça va probablement revenir un jour dans une extension de Diablo 4. Donc là, on est sur une période beaucoup plus récente. C'est d'ailleurs aussi pendant ces conflits, autour de ces conflits magiques, que les Khazra, les fameux Zombet, vont émerger. Hein, les Khazra une grande apparition des Khazra, c'est à cette période avec l'héritage de Toraja. J'ai fait la vidéo sur les féticheurs où je parle un petit peu de ces hommes bêtes. Et donc, eh bien, les humains de Toraja qui vont embraser la voie des démons. Donc au final, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais dans les cultes démoniaques, on pense à des cultes humains. Mais les Khazra, ce sont des cultistes démoniaques au final. C'est juste sous forme d'hommes bêtes, mais ça reste des cultistes au final. Et bien sûr, de manière... Alors là, je saute dans le temps, vidéo de chronologie sur Diablo, si vous êtes un peu largué, ça vous aidera. Mais en l'occurrence, là, c'est vraiment tout droit, puisque on va attaquer derrière tous les événements qui vont amener à Diablo 1, Diablo 2, avec la corruption du Zakharum par Mephisto, qui va amener une religion d'ailleurs qui se base sur un ange. En l'occurrence, c'est la religion du Zakharum avec Akarat qui aurait eu une illumination en ayant entendu un ange lui parler, etc. Même un archange, Yairius, qui lui aurait parlé. Eh bien, ceci, c'est le symbole du Zakharum corrompu, hein, je vous rappelle le symbole de la Triune que j'ai très rapidement affiché. Mais le symbole de la Triune, vous voyez, c'est un triangle avec une espèce de... Je sais même pas vraiment ce que c'est au milieu. Vous savez, on dirait les trucs quand on a chaud, un petit éventail avec deux vagues sur le côté. Et ben, ça, c'est le symbole de la Triune officielle. Là, en l'occurrence, ce symbole, c'est le symbole du Zakharum, mais en version corrompue. Espèce de œil qui voit tout autour de lui, et ça va être un des symboles de l'inquisition du Zakharum notamment, et le Zakharum corrompu, encore une fois, qui va amener dans son giron des cultes démoniaques, hein, au sein même de l'église. Mais par exemple, on peut penser à Lazare, hein, Lazare à Tristram, qui va mener des cultistes pour le compte de Diablo et des Trois au final, hein, puisque là on est vraiment sur le retour de la thématique de la Triune avec des serviteurs de Baal, Mephisto et Diablo, en l'occurrence principalement Mephisto, même si Lazare va se dédier corps et âme ensuite à Diablo. Et au final, d'autres émergeront dans leur sillage, qui sont pas forcément liés à la corruption du Zakharum, mais dans les pas de l'exil noir, du rôdeur noir, pas confondre, les pas du rôdeur noir. Nous avons par exemple une partie des rogues qui vont mal tourner, notamment Morena qui va devenir Blood Raven, hein, le corbeau de sang, qui va servir en Dariel, qui est un seigneur des enfers inférieur. Donc voilà, dans le giron, il y a une sacrée... ça bourgeonne de partout, les cultes démoniaques à ce moment-là. Et on va d'ailleurs avoir une partie de cultes démoniaques entre Diablo 2 et Diablo 3, avec dans Diablo Immortal, un culte qu'on voit, c'est le culte de la damnation. Le culte de la damnation qui, du coup, glorifie un seigneur démon, mais pas un seigneur des enfers, pas un des sept seigneurs démons primordiaux, mais un seigneur démon, tout simplement, qui est Skarn, le héros de la terreur, donc l'un des serviteurs de Diablo, mais qui est assez haut dans la hiérarchie diabolique, dans la hiérarchie démoniaque. On fera une vidéo sur le sujet, bien entendu. Eh bien, nous avons donc Eskara. Alors, je sais que comme on tue Eskara assez vite... C'est pas du spoil, hein, parce que c'est vraiment dans le prologue. Et au final, comme on la tue, le culte de la damnation est toujours là, mais je sais plus après qui dirige le culte de la damnation, là, comme ça, de tête. Mais globalement, voilà, le culte de la damnation, c'est les serviteurs de Skarn. On va croiser, d'ailleurs, le symbole du culte de la damnation, c'est ça, une espèce d'œil avec des inscriptions de sang autour. Oui, il se prend pour Sauron. Mais d'ailleurs, bon, là-dessus, je vais pas spoiler, mais Immortal peut comprendre un peu ce symbole à la fin. Donc... Nous avons ensuite dans Diablo Immortal, ça j'ai pas encore fait, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais c'est dans le contenu qui est arrivé après la sortie d'Immortal. Nous avons le culte de la terreur dans Diablo Immortal, qui est du coup, comme vous l'imaginez ou le présupposez, c'est un culte uniquement dédié à Diablo. Alors on peut imaginer qu'il y ait un culte de la haine, un culte de la destruction, un culte du mensonge, un culte de la douleur, un culte propre aux sept seigneurs des enfers, mais là en l'occurrence c'est vraiment un culte lié à Diablo, qui a fait son apparition dans Immortal. Nous avons un des livres qui a amené dans son giron Diablo 3, c'est tout simplement le livre de l'Ordre, qui est tout simplement donc un livre sur les Auradrim, qui se font appeler les First Ones, donc les premiers,
dans le livre. Alors malheureusement, ce livre est plus édité, donc bah, par exemple, j'ai fait des recherches et je ne l'ai pas trouvé en dessous de 60 euros, donc compliqué, hein, on espère une réédition évidemment, avec Gareth Rowe, qui est, dirige ses premiers, qui dirige ce culte Aura Dream, enfin ces Aura Dream, qui, spoiler, sont en fait eh bien, pas du tout des Aura Dream, des Aura Dream complètement dévoyés, qui au final servent de fond de... servent à jeter le discrédit sur les Aura Dream en finale en servant un seigneur des enfers qui n'est autre que Bélial. Et ce culte est basé sur Gheakul, une ville que l'on peut voir dans Diablo 4. Donc voilà, Gareth Rowe et les First Ones, les premiers-nés, c'est un culte de Bélial. Nous avons également Adria et Magda qui vont réformer et reformer la Cabale. La Cabale, c'est un des plus grands cultes démoniaques de l'univers de Diablo. Et au passage, eh bien, ce qui est bien avec ce culte démoniaque, c'est qu'il y a carrément un livre qui lui est consacré, le livre d'Adria, qui parle énormément de la cabale. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, elle évoque le fait que la cabale, eh bien, tire son ascendance de la Triune, hein, donc remonterait à la période de la Triune, un de ces nids démoniaques de cultistes qui auraient survécu à la période de la guerre du péché et qui, petit à petit, auraient continué à exercer son influence. Et au final, Adria et Magda vont tuer les anciens chefs de la Cabale et vont lui redonner un second souffle, une nouvelle impulsion qui va agrandir le culte. Finalement, selon divergence d'opinion, Adria va quitter la Cabale, qu'elle juge trop étroite d'esprit à vouloir servir absolument tout le monde, tous les démons, quel que soit, en gros, juste un culte démoniaque sans vraiment d'ambition. Et d'ailleurs, le symbole de la Cabale, hein, qu'on voit dans Diablo 3 et dans le livre d'Adria, c'est celui-ci. Vous voyez une espèce de cercle avec, pour le coup, on voit les trois, hein, avec trois espèces de symboles, trois yeux et une espèce d'énorme bouche au milieu. Hein. On a un autre symbole, c'est celui-ci, sinon, qu'on connaît, avec pour le coup sept représentations circulaires. Donc, le 3, le 7, c'est deux chiffres très importants dans la démonologie de Diablo. Le 5 est un chiffre aussi très important, mais le 5 fait plutôt référence aux anges, mais 3, 5, 7 sont des chiffres importants dans Diablo au final. Et au final, la cabale, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va, avec Adria qui s'en va servir uniquement Diablo, eh bien nous avons Magda qui devient l'unique dirigeante de la cabale et qui va au final emboîter le pas d'Adria en servant un unique seigneur des enfers, et en l'occurrence un seul démon qui n'est autre que Bélial, hein, le seigneur du mensonge, seigneur des enfers inférieurs ou seigneur des enfers puinés. On en reparlera de la hiérarchie des démons, je l'ai déjà dit, mais on en reparlera parce que c'est un peu compliqué parfois. Mais au final, ce qui est intéressant d'ailleurs dans le livre de Descartes, c'est que Descartes émet une supposition. Il sait que ce culte grandit, il sous-estime complètement leurs effectifs et il supposait le fait qu'il servait à un seigneur des enfers, mais il savait pas trop si c'était Asmodan ou Bélial, ce que j'avais trouvé très intéressant puisque bah, au final ça nous rappelle que le narrateur est interne au récit, du coup c'est pas trop, alors que si vous jouez à Diablo 3 vous savez très bien que Magda et la Cabale servent au final Bélial. D'ailleurs, en parlant de culte démoniaque, même si c'est pas tout à fait vraiment le cas. Nous avons la garde impériale du Kégistan, hein, la garde impériale du Kégistan sous les ordres d'Akhan II ou Akhan II, qui va eh bien, s'avérer être uniquement des démons de Bélial. Bélial qui gagne, comme on peut le constater, entre les First Ones, donc de Gareth Rowe, entre la Cabale, entre la garde impériale du Kégistan. Le Kégistan est quand même la plus grande nation humaine de Sanctuaire. On sent que entre Diablo 2 et Diablo 3, Bélial y gagne énormément d'influence dans le monde de Sanctuaire. Et on expliquera aussi pourquoi, à un moment donné, il gagne autant dans la vidéo sur les enfers. Donc, au final, tout ça a été un bon résumé. J'espère que vous avez quand même réussi à l'ingurgiter. On arrive à Diablo 4. Diablo 4, on a une secte démoniaque. Hein, on voit superbe artwork, hein, de ces sectateurs en rouge doré avec des couteaux. Des symboles triangulaires, une espèce de lune et ouais, des espèces de croissants. Alors le croissant, très difficile de savoir, parce que le croissant, est-ce que c'est un symbole du Kégistan où se passe au final Diablo 4? Est-ce que c'est un symbole de corne? Parce qu'au final, on a beaucoup vu de croissants pour représenter de manière plus gentille les cornes du démon. Mais généralement, c'est pas représenté sur le côté, mais en horizontal. Au final, on ne sait pas trop à ce niveau-là, puisque... Enfin, on ne sait pas trop, j'avoue que là, c'est pour vous
vous mettre en suspens, puisque au final, le culte est démoniaque. On a sa révélation en 2019, et là, vous allez me dire, mais Malga, tu nous l'avais pourtant pas dit. Je sais, je suis passé à côté. Je l'ai entendu, mais je ne l'avais pas associé comme ça. Puisque dans le panel de la BlizzCon de Diablo 4 de 2019, eh bien, le mot Trion avait été utilisé. Et je pensais que c'était parce que ça faisait référence à la guerre du péché, ce qui était le cas. Sauf que ce que j'avais raté, c'est qu'à un moment donné, il précise que c'est que les sectes démoniaques sont liées à la Triune. Et en fait, c'est plus que lié, c'est carrément hein, la Triune dans Diablo 4. Le nom est évoqué, la Triade en français. Alors vous pouvez tout à fait dire Triune en français, le livre de Tyrael précise la Triune en français. Mais il faut justifier des salaires, donc des fois, eh bien, c'est traduit en Triade. Après, ce qui est bien, c'est que même en français, on comprend quand même hein, la triade 3, qui sont les trois seigneurs des sept seigneurs des enfers primordiaux, donc les trois, Diablo, Baal, Mephisto, et au final, eh bien, ça reste rare, l'évocation de la triune de la triade, pour les sectateurs de Lilith. Mais, parce que généralement on entend aussi dans la communication, etc., les favoris de Lilith, les enfants de Lilith, les sectateurs qui suivent Lilith, les élus de la mer, en jeu on le voit énormément, élus de la mer. Et donc, à un moment donné, moi-même j'étais perdu en mode, je sais plus quel est leur nom. Moi je les appelais les enfants de Lilith, du coup, parce que j'arrêtais pas de l'entendre. Mais en fait, techniquement, c'est la Triune. Et d'ailleurs, vous pouvez acheter, on en a parlé un petit peu en live, hein, vous pouvez acheter sur la boutique de Blizzard, code créateur Malga. Non, je déconne, il n'y a pas de code créateur. Mais vous avez eh bien, tout simplement ce symbole-là qui représente la Triune et qui a la dénomination Triune. Donc, avec le symbole de Lys au milieu, hein, si vous avez joué un petit peu à Diablo 4 ou que vous allez y jouer, ce symbole sera beaucoup réutilisé en gameplay dans Diablo 4. Alors, il n'y aura pas le triangle, il y aura juste le symbole central. Les pétales de sang et les cornes, comme je l'évoquais, pour représenter les cornes de Lilith. Donc, symbole est un nouveau symbole utilisé uniquement pour Lilith. Par contre, le triangle, comme je le disais, le 3, c'est un chiffre très important en démonologie dans Diablo. D'ailleurs, l'invocation de Lilith s'est faite par 3, tout ça, vous avez vu la cinématique d'intro. Donc, bon, en soi, pas de problème. Sauf qu'en fait, c'est intitulé Triune. Triune. Et on va revenir dessus parce que ça n'a aucun sens. Alors oui, c'est la fille de Mephisto, c'est la fille de la haine, mais blablabla, blablabla. Cependant, en fait, quelle est l'optique de Lilith ? Lilith, elle n'aspire pas au retour des trois, Lilith. Lilith, elle est là pour justement faire en sorte que l'humanité s'émancipe face aux enfers et aux cieux. Elle est là pour que l'humanité résiste aux enfers. Elle a choisi l'humanité plutôt que les démons. Elle déteste les sept seigneurs des enfers, Lilith. Elle se bat ouvertement contre. Et c'est pas du spoil. J'en ai déjà parlé quand j'ai fait la vidéo sur la guerre du péché. D'ailleurs, je le rappelle, c'est elle qui est l'une des raisons de la chute de la Triune. Elle a aidé Uldisian, Mendeln et tous les Néphalem en devenir de cette seconde génération qui se sont livrés, qui ont livré la guerre à la cathédrale de la lumière, mais à la Triune aussi. Donc Lilith et la raison de pourquoi la Triune s'est effondrée. Donc c'est quand même super important de garder ça à l'esprit. Et encore une fois, j'aime beaucoup le symbole. Et si c'était pas marqué Triune, j'aurais aucun problème. Mais au final, officiellement, c'est marqué Triune. Et c'est le mot triade, tout ça est utilisé. Donc, je rappelle, ce sont des servants des Trois, les ennemis de Lilith. Donc d'où les cultistes des Trois serviraient Lilith. Et là, vous allez me dire, oui, mais Lilith, on sait que c'est une succube qui manipule, qui ment, etc. Donc, potentiellement, elle a enjolivé la vérité, tout ça. Mais non! Et puis, littéralement, dans Diablo 4, il y a un endroit qui est vraiment basé sur les trois. J'en préciserai pas trop pour pas spoiler ceux qui n'ont pas terminé. Mais cet endroit, on a directement une connexion avec les trois. Genre, les trois, ils sont pas vraiment fans de Lilith. Papa, il est pas content, hein. Donc, il pourrait juste dire à leur cultiste, dis donc, vous servez la connasse, là. Je suis pas content. Et donc, il devrait y avoir une guerre, en fait, entre les véritables cultistes de Lilith et les serviteurs des trois. La Triune. Sauf qu'au final, non. Non, pas du tout. Je le rappelle, Lilith a détruit la Triune. Et c'est ça qui est ouf, parce que Elias, du coup, l'homme pâle,
est officiellement le Primus de la Triune, donc le chef de la Triune. Je rappelle que le premier Primus, c'était Lucian, le frère de Lilith, serviteur de son popo, serviteur de Mephisto, Baal et Diablo. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte de ça? Le chef de la Triune, c'est un mec qui est fidèle à Lilith et qui veut voir la destruction des seigneurs des enfers. À quel moment on l'appelle la Triune? On ça dessert complètement le propos de la Triune. Alors, bon là c'est un mini spoil, c'est pas un spoil genre waouh de ouf. Effectivement, à la fin de Diablo 4, il y a un moment où il y a des cultistes qui évoquent le fait qu'ils prient Mephisto et qui ont l'air de pas être tout à fait d'accord avec Lilith. Ouais, et il n'y aura aucune conséquence. On a l'impression qu'effectivement, il y a un groupe au sein, un tout petit groupe, hein, il y a trois pecnos, qui effectivement prient pas Lilith. Et alors? On s'en fout. Genre ça, malheureusement, ça ne change rien, d'accord. Au moins, c'est pas complètement laissé en suspens, mais ça, nos personnages réagissent, tout ça, d'accord. Ouais, et ça reste la Triune qui sert au final Lilith. Et en fait, je pense vraiment que le mot Triune est utilisé à tort et à travers pour faire écho à la guerre du péché, qui, je le rappelle, est le plus grand succès communautaire des romans Diablo. C'est la trilogie de la guerre des anciens version Diablo, hein, la guerre du péché. C'est d'ailleurs l'objectif, hein, c'est vraiment la guerre des anciens version Diablo. Et même, je veux dire, c'est déjà un livre, une trilogie de livres, ceux qui ont le plus fonctionné, ceux qui aujourd'hui encore sont rabâchés, mais au final, c'est la guerre des anciens. Vraiment, au sens propre. Et donc, c'est ça qui est assez ouf. Et le principe même de Diablo 4 est basé sur le contexte de la guerre du péché, j'en ai déjà abordé ce sujet, Cathédrale de la Lumière versus Triune. On a le retour de la Cathédrale de la Lumière, alors elle n'est pas tout à fait comme notre Cathédrale de la Lumière, la guerre du péché, ça pourrait être l'objet d'une vidéo un jour, mais la Triune, elle, bah, encore une fois, c'est ça qui est intéressant, c'est on reprend le contexte de la guerre du péché pour en faire une espèce de guerre du péché 2, mais j'avais dit dans mes premières impressions, c'est ça sans l'aide de trop. Et au final, eh bien, le nom, c'est Triune, et ça me plaît pas du tout. Parce que non, ça marche pas. Et au final, il n'y a pas du tout. Ça aurait pu être une intrigue, en mode Lilith qui a menti au cultiste, etc. Pas du tout, il n'y a rien. Et en l'occurrence, en fait, le nom Triune, il est juste utilisé parce que, bah, marketingement parlant, il marche mieux. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous faire, parce que si vous vous intéressez aux artworks, hein, aux arts de Blizzard, si vous renseignez un petit peu, si vous renseignez sur les artworks de Diablo 3, quand vous allez voir les cultistes de la cabale initialement aurait dû s'appeler la Triune. Et finalement, bah, je pense qu'en interne, il y a un mec qui a dit « Bah ouais, mais non, ça n'a aucun sens, la Triune sert les trois. En plus, ça vendrait un peu le morceau pour Diablo, et de toute façon, ils servent Belial dans le jeu. Belial, c'est pas un des trois. Du coup, ça n'a aucun sens de l'appeler la Triune. » Et malheureusement, eh bien, il n'y a pas eu ce directeur ou ce mec en interne, ou ces personnes en interne, c'est pas forcément au singulier, qui a eu la même optique dans Diablo 4. À mon avis, ils étaient tous trop fiers en mode bah ouais, garde du péché, bah ouais, mais là ça marche pas. Justement, l'élite s'inscrit, oui, dans le registre de la religion dominante infernale, oui, mais c'est pas la Triune, appelez-les différemment. Et ça me rappelle complètement la prochaine vidéo de débunkage que je vais faire sur Diablo, à savoir celle sur les rogues. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais vu les discussions que j'ai en live, il est temps d'en refaire, de véritablement faire une vidéo de débunkage sur les rogues. C'est pareil, c'est du marketing. Vous brandez le nom Rogue, vous brandez le nom Triune, comme ça c'est vendeur, ça parle plus aux gens. Alors que si on avait appelé les Rogues rôdeurs, voleurs, bandits, machin, ça marche moins. Brigand, tout ça, ça aurait moins marché que Rogue façon Diablo 1. Et pareil, la Triune, guerre du péché, c'est le culte le plus connu. Même la cabale s'inscrit dans l'héritage de la Triune, donc le culte le plus important de Diablo, bah ouais, mais c'est pas la Triune en fait. Au contraire, ce sont les ennemis de la Triune. Eh bien, sachez que le vilain petit canard Diablo Immortal a pourtant, eh bien, proposé un truc très intéressant avec un événement qui fêtait la sortie de Diablo 4. Ils ont évoqué, donc ça c'est l'artwork qui montre les skins, qui sont pas super beaux d'ailleurs, je trouve personnellement, mais avec une thématique autour des Lilines, ou les enfants de Lilith, les favoris de Lilith, qui sont tout simplement, ce terme aurait eu à pour moi davantage de poids, les Lilines, ou les favoris de Lilith, les enfants de Lilith, qui étaient utilisés, je rappelle, en plus marketingement parlant. Parce que avoir une Triune qui sert dans l'ombre pendant qu'on a ce nouveau culte des élus de Lilith, là, ça représente beaucoup plus qu'est Diablo 4. Donc le nom, cette espèce, ce nom, les Lilines ou les enfants, les élus de Lilith, ça s'avère bien plus cohérent dans l'univers de Diablo. Cependant, utiliser marketingement parlant le mot Triune, ça fait plus vendre, enfin c'est plus vendeur tout simplement, et ça fait un petit peu plus. C'est vraiment de la pure
communication. Et ça, moi, ça a tendance à me saouler parce qu'on dévoie complètement le sens propre. Et pour des fans de Diablo ou des personnes qui se mettent à l'histoire de Diablo, ça va les perdre complètement puisqu'ils vont se dire, ils vont faire la confusion et c'est normal vis-à-vis de la guerre du péché ou la tribune. Bah, c'est plutôt les ennemis de Lilith. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Ouais, alors, si je peux en placer une, hein, parce que le chauve il est bien mignon, mais moi aussi, je suis pas tout à fait d'accord avec cette dénomination. Non, non, parce que bon, Lilith, elle essaye de me la mettre dans le cul, hein, et bien profondément. On est sur un jeu Piggy 18, j'ai le droit de dire des gros mots. Oh, balouné, laisse-moi continuer à prendre la parole. J'ai toujours été le meilleur des trois au niveau orateur. Et donc, bah, c'est déjà fini, merde. Mais bon, dans tous les cas, on se fait entuber, voilà.